Bonjour à tous, c'est Chris Huquet, on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. On s'était quitté à la fin du quatrième donjon, donc la grande caverne antique, dans laquelle on a pu récupérer la flamme sacrée tant espérée. Alors je vais vous la montrer maintenant qu'elle est affichée sur l'inventaire. Donc on a eu notre première flamme sacrée, la flamme de Pharaoh, il nous en reste deux à découvrir. Et pour ça, ils nous ont dit de nous rendre à l'île aux champs. Dans le ciel, donc c'est ce qu'on va faire. Juste avant ça, en fait, j'aimerais revenir sur ma précédente vidéo. En fait, je vous ai induit en erreur quand je vous ai parlé du thème de Skyward Sword, parce que j'ai tenté de. Il y a un moment où je la chantais comme ça, un petit peu en vrac. Mais le problème, c'est que je vous ai dit que c'était le thème de Skyward Sword, mais pas du tout. C'était, je chantais en fait l'intro de Twilight Princess. Donc je vous ai préparé un petit cadeau en retour, et cette fois en fait je vais vous faire écouter, donc c'est le petit cadeau, je vais vous faire écouter le thème de Skyward Sword, qui est vraiment extra. Donc si vous ne l'avez pas encore entendu, parce que j'en ai pas la totale confirmation si on l'a entendu durant le jeu. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai pré-enregistré le thème de Skyward Sword dans l'écran titre, et je vais vous le faire écouter. Il dure à peu près 1 minute 35, donc je vous laisse apprécier, et vous pourrez me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce thème, et moi je le trouve franchement extra. Donc je vous laisse écouter, et pendant ce temps là moi je vais me balader un peu dans le ciel, et on se retrouve dans 1 minute 35. Donc c'est parti, à tout de suite. Voilà, voilou, je crois que le thème est à présent passé dans son intégralité, donc j'espère que ça vous aura plu d'avoir pris le temps d'écouter un petit peu la sublime musique du thème de Skyward Sword. En tout cas moi j'apprécie vraiment de l'écouter, à chaque fois que je l'écoute c'est vraiment un bonheur. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ce petit plaisir. Donc là en fait on se retrouve devant comment ils appellent ça, je sais pas, c'est le jeu du bambou, je sais plus comment ça s'appelle. Donc si vous vous rappelez, en fait mon épée n'était pas assez longue. Et bah écoutez, on va voir s'il y a une petite progression et si je peux. Alors qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit que le record était de 43, il me semble. Ouais. Le record de l'ancienne idole est de 43 morceaux. Waouh, j'ai une bonne mémoire apparemment. Donc tant mieux. Alors je pense pas qu'on ferait 43, parce que 43 en fait, on pourra le faire quand notre épée aura atteint sa taille maximale. Et en fait nous, la taille maximale on l'aura à la fin de... quand on aura récupéré les trois flammes sacrées. Donc là j'ai récupéré que la première, et nous notre épée en fait elle a juste
augmenter un peu de taille. Ah, j'ai oublié de faire... Ouais, tant pis. Parce qu'en fait, j'ai appris comment on pouvait récupérer les pièces argentées dans la grande caverne antique, mais comme on est parti, tant pis. C'est pas grave. Alors là, je vais essayer de jouer et on va voir s'il y a une petite amélioration. Je crois que mon meilleur score était de... Ouais, voilà. Il y a marqué de toute façon. De 29. Donc on va voir si je vais mieux faire cette fois. Alors je crois qu'il faut faire 28 au minimum. Bah oui, il l'a dit, la pierre Sheka. Histoire d'avoir une récompense. Donc là, pour le moment, ça a l'air d'aller. Ah, dommage. J'aurais voulu faire plus de 29. Alors là, j'ai fait 28 et franchement, c'était... Il n'y avait pas trop de difficultés, donc peut-être qu'il y a bien une évolution notable pour le moment sur notre épée. Mais je vais quand même réessayer. Alors qu'est-ce qu'il va me donner comme récompense? Un crâne d'or, je pense qu'on en a plein. Il y a toujours un matériau que j'ai pas encore eu. C'est un truc qui ressemble à un oiseau là en haut, mais je pense pas que ce soit un oiseau. Alors très bien, si un jour tu as envie de casser du bambou, repasse me voir. Allez, on va rejouer tout de suite. Et on va tenter de faire plus de 30. Allez, c'est parti. Ok. Vas-y, petit gars, je te préviens, on va pas falloir traîner. C'est parti, on va tenter. Cette fois-ci, je vais faire la furie avec la Wiimote. Je vais secouer dans tous les sens. Allez, allez. Ah, j'ai perdu du temps, là. Ah, c'est dommage. Il y a un moment où j'ai fait une attaque circulaire, du coup ça a freiné mon élan. On réessaye une dernière fois et si c'est pas le cas, on reviendra quand on aura une deuxième flamme ou une troisième carrément, je sais pas. On verra ça au fur et à mesure. Alors, on va lui redemander. Donc là, j'ai récupéré une corne sacrée, enfin une corne, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Donc là, j'ai fait 27, mais j'ai quand même eu une récompense, donc c'est cool. Ah. Donc on va retenter une fois. Et là, je suis chaud, là. Là, je vais vraiment tenter de me le faire. Allez, on est chaud bouillant, on essaye. Il faut vraiment pas que je fasse d'attaque circulaire. Donc je vais poser notre chouk. Allez, 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 allez. Oh putain, mais le truc, il part en biais aussi. Ah yes! Cool! Ouais, c'était 30 qu'il fallait faire pour avoir une autre récompense, je crois. Alors, d'accord, détends-toi, gamin. Tu as fait combien de morceaux au 31? Tu progresses, tu viens de battre ton record, beau travail. Impressionnant, même pour une ancienne idole telle que moi. Un score comme ça reste plutôt rare. Voilà ta récompense. Ah ouais, je crois que ça c'est un truc super rare, donc merci bien. Ok, bon, on reviendra quand on aura une épée un peu plus longue. Très bien, si un jour j'ai envie de casser du bambou, repasse me voir. Ça marche. Alors là, on va explorer le ciel parce que je pense qu'on a des nouveaux trésors qui ont dû apparaître. Alors je vais voir, il n'y en a qu'un seul. Ah bah, il n'y en a qu'un seul nouveau trésor. Et en plus, c'est celui qui est sur l'île de la citrouille, là. Et en fait, pour l'avoir, faut atterrir à un endroit précis. Enfin, faut atterrir surtout précisément. Il y a plusieurs endroits où on peut atterrir. Donc, on va y aller. Et ensuite, on ira au temple, à l'île du champ, au temple. Histoire de... Attendez, je vais mettre une petite balise. Histoire de... Bah, c'est notre but. Je pense qu'on doit... Elle nous avait dit qu'on apprendra un nouveau champ. Donc voilà, histoire d'apprendre un nouveau chant. Et je pense qu'ensuite on ira à Ordin, donc la région volcanique. Et qu'on récupérera la deuxième relique sacrée, donc on aura un nouveau challenge. Avec l'espèce de monde parallèle, le Psysalis, il me semble que ça s'appelle. Une petite épreuve, histoire de récupérer les petites bouboules là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ce qui nous attendra comme programme dans cette vidéo, je pense. Mais avant tout ça, on ira faire un petit tour à Célesbourg. Je pense que je vais acheter un emplacement supplémentaire pour ma sacoche.
Parce que j'ai 600 rubis et je sais que ça coûte 600 rubis, donc on tentera de faire ça. Là, il y a un petit oiseau. Et c'est pas les oiseaux colorés, ça. Alors, on va essayer d'atterrir sur la citrouille, ce sera plus simple. Voilà, nickel. Est-ce que le coffre est juste devant nous, là? Et pour l'atteindre, faut être en hauteur. Voilà, ouf, j'ai cru que j'allais tomber. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah, bah c'est pas mal, ça. Du coup, je peux peut-être m'acheter autre chose. Ou améliorer... ouais, on va voir si on peut améliorer des objets. Ça peut être intéressant. Alors, on va juste voir mes amis, là. Mon ami la choriste et le barman. Histoire de voir s'il y a des petits trucs nouveaux. Ah, avec la petite musique qu'on adore. Ah, il s'est acheté un nouveau lustre en or, apparemment. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'objet dessus, donc il n'y a pas de raison de le casser. Mais je pense que si on le casse, ça va amener d'autres petites quêtes. Et moi, j'ai envie de dire, on est là pour faire des quêtes, quoi. On est là pour s'amuser, donc peut-être qu'on va... Je vais tenter de le casser. Alors, que penses-tu de mon nouveau lustre, Link? Laisse-moi te dire qu'il m'a coûté une somme rondelette. Alors, tu trouves que je suis allé un peu loin? Fais pas ton rabat-joie, c'est grâce à toi que j'ai pu m'offrir un lustre aussi sensationnel, mais que je te vois pas t'en approcher. Donc ça, c'est grâce aux petits travaux qu'on a effectués pour lui. Alors, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Ça t'intéresserait de me rendre des petits services comme avant? Ouais. Je te paierai bien sûr, tu pourrais nous jouer un peu de lyre ou bien prendre une rasade de soupe. Ah, c'est cool! Donc on peut jouer au mini-jeu de l'instrument avec la chanteuse. Ah, ça va être cool, ça. Désolé, Tyrone ne chante que la nuit tombée, revient ce soir. Ah, franchement, j'ai trop envie, les mecs. Je sais pas si ça vous tente, mais moi, je suis tenté, là. Alors, on va essayer de voir si on peut casser son lustre. Peut-être qu'on aura... que ça nous... ça aboutira sur des quêtes intéressantes. Alors, on va retenter... Non, il a pas trop l'air de se balancer aussi fort que l'ancien. Ouais, non. Ouais, ouais. Effectivement, ouais, il peut pas se casser celui-là. Apparemment, il est plus solide que l'autre. Parce que là, il bouge à peine. Ouais, franchement, je suis très tenté de me refaire le petit mini-jeu avec la chanteuse. Donc, je vais tout de suite aller dormir. Mais avant ça, je vais aller lui parler en journée pour voir si elle a pas quelque chose à me demander. Donc voilà, c'est ça, Zelda, c'est vache, c'est bourré de petites quêtes là comme ça qui donnent envie. Et qui permet de faire des pauses entre les grands donjons, donc c'est ça qui est sympa. Alors maintenant que la récolte est terminée, il ne reste plus qu'à planter de nouvelles citrouilles, mais avant il faut labourer la terre, ou est-ce que je pourrais bien trouver quelqu'un qui sache labourer? Au fait, j'ai quelque chose à te demander, une sorte de faveur si tu veux. Ok. Voilà, il me reste encore des citrouilles à transporter. Crois-tu que tu pourrais me donner un coup de main et les déposer dans l'abri? Je te paierai, bien entendu, grassement. Ok. Ça tombe bien, on a envie d'un peu d'argent pour faire les emplettes. En plus, c'est les soldes en ce moment. Alors, allons-y, je vais te montrer où ranger les citrouilles. Ok, ça va être comme la dernière fois. Maintenant qu'on connaît un peu la technique, ça devrait aller. À part si elle augmente le nombre de citrouilles à porter, mais je pense pas. Alors si tu veux les porter tout à la fois, n'oublie pas une chose, marche très lentement, elle penche à droite, avance vers la droite. Si elle penche à gauche, avance vers la gauche, c'est une question d'équilibre. Pas de panique surtout, elles tomberont forcément, si tu vas trop vite, c'est tout, bonne chance. Ok, c'est parti, on est chaud les mecs. Ok, ça devrait aller. Donc la droite. Un petit coup à gauche. Oula, oula, là je suis... Attendez. Là, droite. Là j'attends qu'elle pende à gauche. Parfait, allez gauche, un petit coup à droite, voilà, nickel, allez un petit coup à droite cette fois-ci, ok, ça a l'air d'aller, oh là là, attends, à gauche, j'espère que ça ira, ouais c'est bon, nickel, on est un peu plus habitué là. Alors tu as réussi, j'en étais sûr, je savais bien qu'on pouvait te confier cette tâche délicate, voilà 50 rubis pour toi, ah bah c'est pas cher payé hein. Ah, merci de tout cœur, passe nous voir quand tu veux. Ok. Bah oui, on va dormir. Let's go. Allez, un petit dodo, histoire d'être la nuit. Ah, avec la petite musique derrière, j'adore.
Alors, combien de temps voulez-vous dormir jusqu'à la nuit? Ah, et tenez, faudrait qu'on aille voir Célestin. Si vous vous souvenez, je lui avais passé une potion d'endurance. Je sais plus comment ça s'appelle. Une potion... C'est un nom bizarre. Et en gros, il nous avait dit qu'il s'entraînait et qu'il fallait repasser le voir pour voir ses progrès. Donc c'est ce qu'on va faire quand on sera à Célestin. Alors, qu'est-ce que tu veux faire jouer de la lyre? Let's go. Très bien, tu peux aller distraire la cliente avec ma petite Tyrone dans ce cas. Ça roule là. Hey! Allez, Tyrone. Là, je me demande ce qu'on gagnera grâce au petit jeu, mais franchement, je pense pas qu'on gagnerait quelque chose parce que ça. Ça a plus l'air d'être là pour le joueur que pour l'aventure. Ah, attention, on se prépare. Voilà, faut que je garde le rythme. J'adore sa voix. Ah putain, ça veut pas. Ah, c'est trop kiffant. Surtout ce passage. Je commence à connaître par cœur maintenant. Nanana. Ah, attention. Ça me fait délirer. Ah, ils vont pas être contents là, c'est ouf. Je fais pas mal d'erreurs. Vas-y, vas-y. Là, je crois qu'après c'est freestyle. C'était pas comme ça avant-ci? Ça se finissait comme ça? Ok. Oh, ils sont pas contents, c'est normal. Elle a sublimement chanté, mais moi j'ai mal joué. Alors je suis déçu, je pensais que ton instrument sonnerait bien mieux que ça. Il est si joli et nos clients n'ont pas lui ravi. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu voir si on gagne quelque chose. Bon, moi ça me déplaît pas de le refaire, y a pas de souci. On va reparler au barman. Allez, on joue de la lyre. Très bien, tu peux aller distraire les clients avec ma petite Tyrone dans ce cas. Ok, ça marche. Oui, c'est creux la ferme, lui. Allez, let's go. Je suis prête. Allez, je vous laisse écouter. Profitez. Ah, c'est pas trop mal pour le moment. C'est vraiment pas mal à ce que je fais. Ah, j'ai super bien joué là. Ah non, fallait s'arrêter. Ouais. Ah non, là, j'ai bien joué là quand même. Ah non, là, ils se foutent de ma gueule. Ah non, là, je suis pas. Ouais, non, je suis pas du même avis que là. J'avais pourtant bien joué. Là franchement c'est un peu du foutage de gueule. La petite Tyrone va se prendre mon épée dans la gueule là. Ouais, elle est bien gentille la petite Tyrone, mais là j'avais bien joué pourtant. Alors je pense que maintenant, vu que c'est la seconde fois qu'on joue, on doit faire vraiment un score parfait. Et je pense que si on fait un score parfait, franchement on doit avoir un beau cadeau. Parce que là ils
ils sont pas trop indulgents là par rapport à la dernière fois. La dernière fois, ils acceptaient quand même des petites erreurs, mais là, franchement, j'en ai pas tellement fait. Je me suis donné à fond, franchement. Alors, on va dormir. Parce qu'on peut pas voler la nuit pour le moment. Donc, ouais, je pense qu'ils ont augmenté le niveau de difficulté. Et qu'il y a une jolie récompense à la clé, je pense. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Allez, on va dormir jusqu'au matin cette fois-ci. Histoire de pouvoir prendre son envol. Alors c'est parti. Et on ira direction Selesbourg. Alors on n'a toujours pas de papier concernant la mini-quête de l'école de chevalerie. Où il y a quelqu'un qui cherche un papier. Je crois qu'il était aux toilettes, ouais, il était aux toilettes, du coup il avait pas de papier pour se torcher le cul, donc il avait fait appel à nous. C'était une femme, je crois. Mais là, ouais, je sais pas, on n'a pas de papier. Hein. Donc ce sera pas pour tout de suite. Par contre, Célestin, je suis curieux de savoir ce qu'il est devenu. Donc j'espère qu'on va le croiser directement en journée. Non pas en soirée, et je pense qu'il va nous passer des cristaux de gratitude. Vu qu'on l'a déjà aidé. Oh là, je voulais prendre l'accélération. Ok, comme j'avais pas assez pris d'envol, il y a un moment où il est resté sur place, il voulait pas rentrer, du coup j'ai pas pu prendre ensuite le trou d'accélération, mais tant pis, on va y aller sans. Ce qu'on va faire, ouais, on atterrit n'importe où, hein, tant pis. Il n'y a pas d'endroit particulier où on doit aller. On va d'abord aller dans le marché. Et ensuite chez Terry. On ira voir s'il y a de nouveaux articles au marché. Et puis, s'il n'y a rien, on prendra... la sacoche d'aventurier là, supplémentaire. Et on essaiera aussi d'améliorer des objets au marché. Donc on va voir ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il y a de sympa? Donc, il y a le petit voleur. Non, il a rien de nouveau apparemment. Par contre, elle a quelque chose de nouveau, alors on va lui parler. Salut, on a une nouvelle potion, je dis donc un œil. C'est de la potion d'oxygène, quand tu bois cette potion extraordinaire, ta jauge d'oxygène baisse moins vite. On la vend à un prix très abordable, tu devrais en acheter un flacon. Comme d'habitude, passe-toi devant la marmite et parle-moi. Ah écoutez, j'ai un petit souvenir que sous l'eau, il y a un endroit où on peut plonger pour accéder à des trésors, donc on ira... Faut absolument pas que j'oublie. On ira ensuite, c'est dans Selesbourg. Alors cette marmite contient la potion d'oxygène. Je vais quand même en prendre, on sait jamais. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre, mais bon. Ça me paraît pas très utile, mais la potion verte, l'endurol, me paraissait pas utile et pourtant elle a servi à Célestin. Donc pourquoi pas. On sait jamais. Ok, ça marche, donc ça c'est fait. Ensuite, bon, ici on reviendra quand on aura la sacoche nouvelle. Là on va voir si on peut améliorer des choses. Allez, c'est parti. Alors améliorer. Alors là je pense qu'on peut améliorer le filet d'insectes quand même. Ah, toujours pas, merde. Parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on n'est pas parti à l'annel. Ouais, bon bah tant pis. Le lance-pierre, on peut l'améliorer. Donc ça c'est pas mal. Le scarabée, ah bah ça c'est super. Alors ça je vais l'améliorer tout de suite. Je vais même pas chercher à comprendre. Donc ce modèle sera plus rapide. Ça marche, 50 rubis, ça va. Son définitive, yes, t'inquiète. Donc ça va être cool parce qu'il sera un peu plus rapide. Quand on voudra voir les environs, etc. Donc plutôt pas mal. Plutôt utile. Alors, merci mec.
Ouais, là, les petites ailes qu'on changeait, je crois. Gare aux excès de vitesse. Alors, sois pas timide, tu vas améliorer autre chose, yep. On va voir déjà la tête du scarabée prochain. Alors, ce modèle de scarabée vole plus longtemps. Ah, bah ça, c'est cool, ça. Ah oui, il y a vraiment des caractéristiques qui changent l'objet en question, quoi. Donc là, il est plus rapide et il pourrait être plus long en vol. Alors là, ok. Il manque des larves. Ah, le bouclier, ça, c'est intéressant. Des plumes d'oiseaux, voilà, j'en ai pas. Donc ça, je sais pas encore où il faut en récupérer. Et qu'est-ce que ça faisait au bouclier? Ça un renfort qui améliore la durabilité. Ok. Et là, du coup, est-ce qu'on peut améliorer ça? Nickel. Plusieurs graines, on en consomme moins qu'une. Parfait. Donc là, c'est grâce aux perles d'ombre qu'on a récupéré dans le monde du Psyzalis. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, je te préviens, les modifications sont définitives. Il n'y a pas de souci. Ok. J'ai envie de parler à la voyante, au voyant plutôt, parce que c'est pas une meuf. Histoire de voir ce qu'il peut nous raconter de beau. Allez, tiens, c'est prêt. Ah, il est super joli maintenant. Il a une petite forme d'oiseau. Pas mal. Inspire rafale, vous pouvez attaquer une large zone en une seule fois. Maintenez A enfoncé pour un tir plus puissant. Ça marche. Donc, non, on en a fini avec les améliorations. Alors, on va parler au voyant. Alors, avec ses jolis yeux de chat. 10 rubis la séance, et cette fois-ci on lui demanderait quelque chose d'autre que qu'on avait demandé la dernière fois. Alors, le sujet, on avait dit les trésors la dernière fois, donc on va dire... est-ce qu'on avait dit les trésors? Non, en fait, après il y a plusieurs choix. Donc, je vais dire les trésors, et en plus il y aura un autre choix, je crois. Et peu importe, je vais quand même essayer... Je sens, je vois la lumière. Ah merde, je crois qu'on avait demandé les trésors la dernière fois. Alors je vois une forêt, une région désertique, une montagne de feu, des monstres. Ah voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là où il y avait un choix à faire. Alors soit trésor, de quelle région veux-tu des renseignements? Ou bien veux-tu en savoir plus sur ceux des monstres? Alors attends. Par exemple, la montagne de feu dans laquelle on va se rendre dans pas longtemps. Alors... Que m'indique ma boule de cristal? Je vois deux trésors. Tu peux parfois obtenir un minérail d'ordin en creusant la terre. Tu peux aussi obtenir une queue de lézard en combattant des lézards, ok. Ma boule de cristal m'indique que tu peux obtenir des perles d'ambre et des perles d'ombre dans toute la région. Cependant, les perles d'ombre peuvent uniquement être collectées durant les épreuves, ok, ouais. Le trésor le plus rare au monde est la poussière de déesse. Il faut être extrêmement chanceux pour en trouver une. Donc ça, c'est ce qu'on a eu dans l'épreuve du bambou, là, le petit mini-jeu. C'est tout ce que ma boule de cristal a révélé pour le moment. Reviens me voir si tu es à nouveau perdu. Allez, c'est parti. Gambate! Tu peux y arriver. Alors, le futur, j'ai pas envie de le savoir. Pas trop envie d'être spoilé. Si c'est du spoil, je sais pas même pas si c'est du spoil, en fait. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord aller à la cascade. Pour aller sous l'eau, et ensuite on ira chez Terry. Alors maintenant on a le fouet, mais je sais pas si le fouet est utile dans une partie de Salesburg. Pour l'instant j'en ai pas en tête. Mais par contre les plongeons, ça va nous être utile tout de suite. Alors on va y aller. Donc ça c'est cool. Les petites nouveautés qui changent tout le gameplay de... Et la façon d'entrevoir les régions qu'on visite. Donc là, il me semble qu'il y aura deux trésors. Un trésor qui n'est pas encore éliminé, voilà. Donc là, il y a du foin, mais on peut pas le... On peut rien faire. Et un trésor normal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le normal? On va voir ça ensemble. Ta-da-da-da ! Ah, mais c'est génial! C'est parfait. Moi qui veux faire des petits achats... C'est parfait. 950. Ah ouais, mais de toute façon, je vais en utiliser 600. Il m'en restera 350. Je sais pas si avec 350, on peut faire grand-chose. Ah, d'acheter Terry, en fait.
D'ailleurs, peut-être que Terry il a de nouveaux objets, mais ça me semble peu probable pour moi. Ok, donc ça c'est fait. On va chercher Terry. Alors, il n'est pas devant. Je pense qu'il sera juste à côté. Ça c'est lui, ouais, ça c'est lui. Non, ah non, c'est pas lui. Attendez. Non, les petits moulins, c'était là. Alors, il doit être pas loin, c'est juste qu'on le voit pas. Ouais, mais là, je le vois pas du tout. Ah, il est là, il est là. En fait, il courait avec nous. Donc, on va tester tout de suite le nouveau lance-pierre. Ah, mais si je tire des balles... Des balles dans le vide, ça va pas le faire, surtout que... Ah bah, il y a Célestin en plus. Surtout qu'il me reste qu'une munition. Alors, c'est parti. Ah ouais, là, j'ai vraiment fait un coup puissant. Et il y a 46 000 graines qui sont parties. C'était super drôle. Alors, on va voir Célestin. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, salut Link, grâce à l'endurole que tu m'as donné, je m'entraîne dur toutes les nuits. Bon, physiquement, il a pas changé. Mais j'ai comme l'impression de ne plus progresser, c'est bizarre. Je me demande si je pourrais devenir aussi fort que toi. Enfin, je ne baisserai pas les bras, tu ne voudrais pas me revenir me voir la nuit quand je m'entraîne pour me donner des conseils. Oula, il veut qu'on revienne le voir. Ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Donc on ira le voir, histoire de voir ce qu'il veut. Alors je pense que... Comment il s'appelle le petit... la petite racaille là. Que Ergo... Et toujours à la forêt d'Ordain. Enfin non, c'est pas la forêt d'Ordain. Le vallon du Sceau, juste avant la forêt d'Ordain. Non, pas la forêt d'Ordain, pourquoi je dis ça? La forêt de Firon. Le vallon du Sceau, juste à côté de la forêt de Firon, avec au temple du Sceau à côté. Donc, je pense qu'il est toujours là-bas, il doit pas être à l'école de chevalerie. Alors la poche supplémentaire... 600 rubis, parfait. Moi j'achète. Voilà, nickel. Et si je comprends la logique de Terry, normalement, si on veut racheter une sacoche, je pense qu'elle coûtera 1200 rubis. Parce qu'à chaque fois, ça va augmenter par deux le prix. Alors là, en fait, on peut plus acheter de place supplémentaire dans la bourse pour pouvoir récupérer plus de rubis. Donc apparemment, il y a une limite, hein. C'est pas l'infini comme... comme je pouvais le penser. Et il y a toujours Terry qui pédale, c'est trop marrant. On va faire un petit tour la nuit, ça se trouve il y aura des petites choses intéressantes depuis. Alors Célestin, ok, on lui a déjà parlé. Alors direction l'école de chevalerie. Là-bas, il y a une statue avec les rubis, mais pas important, quoi. On va passer par là. Hein. Voilà, nickel. Ah, il y a des papillons, ouais, mais ceux-là... Même quand je joue de la lyre, ils se foutent de ma gueule, donc on va pas les... On va pas s'en occuper. Alors, l'école de chevalerie, je peux monter ici, je peux entrer par là. Je sais pas s'il y aura du nouveau, si les personnages voudront nous parler. Ah bah si, il y a la vieille qui veut nous parler. Donc on va lui parler tout de suite. Alors, ces derniers temps, quand je passe devant les toilettes, la nuit, j'entends une voix encore. Je me demande qui peut bien rester enfermé là-dedans. En tout cas, c'est très agaçant. Ouais, je pense pas qu'on puisse pour le moment. Très franchement, je pense pas. On va aller voir le professeur. Il est même pas là. Ah, il y a Fifi Brandassier, on va lui parler. Alors, D-Link, tu le trouves comment Kiko, toi? Il est sympa. Ah oh, oui, je trouve aussi, il est gentil, intelligent. Qu'est-ce qu'il est beau. Ok, elle est amoureuse. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Désolé, désolé de t'avoir posé une question aussi bizarre. Bon bah, Fifi Brandassier, elle bégaye pour... Oula! Attendez, faut que je recentre.
Ah, attendez. Non, ça va pas, ça va pas. Faut que je sorte. Je voulais juste voir le petit... le petit insigne sur sa tunique. Sa tunique. Ça devait être un oiseau. Un symbole d'oiseau. Je vais juste voir si dans le couloir, il n'y a pas quelqu'un qui veut nous parler. Je pense qu'il y aurait Kiko, mais je pense pas qu'il veut nous parler. Non. Bon, bah, tant pis pour lui. Est-ce que Gaepora veut nous parler? Alors, Gaepora, non. Mais je vais quand même lui parler. Je vais faire mon chieur. Allez, Link, je peux compter sur que sur toi. Va par secourir Zelda au plus vite. Ok, donc lui, il va rester pendant tout le jeu ici, quoi. Il a une petite broche, là. Tout est en forme d'oiseau, en fait. Même sa ceinture est en forme d'oiseau. Il y a un petit oiseau dessus. On va dormir... C'est Ulule, ici? Ouais. À chaque fois que je dors chez Ulule, je viens squatter chez lui. C'est le plus adéquat pour dormir. Alors, jusqu'à la nuit... Et on ira voir Célestin. Ah, j'aurais bien aimé améliorer ma petite... le petit filet d'insectes. Mais bon, tant pis. Prochaine fois que j'irai dans la région du désert, je penserai au truc là qui glisse sur le sol. Hein. Donc là, on peut pas courir, donc ça sert à rien d'accélérer. Alors là, c'est ma chambre. Là, c'est Ergo. Ah, je pensais que Célestin, c'était... Ah oui, voilà. Ouais, c'est bien au rez-de-chaussée. Alors là, on va lui parler. 55, 56, 53. Alors, si vous vous rappelez, dans la précédente fois où on l'avait vu, en fait, qu'il faisait des pompes, je crois qu'il comptait genre 1, 2, 3 ou un truc comme ça. C'était un chiffre minable. Donc là, apparemment, il a fait des progrès. Alors, bonsoir Link. Je m'entraîne dur depuis la dernière fois que je t'ai vu, mais je crois que je suis dans l'impasse. Ah merde, je crois qu'on aurait dû prendre de l'endurol. J'accumule de la fatigue. Tu voulais pas me donner encore un peu d'endurol? Ah zut, je savais pas. Ah, j'y ai pas pensé. Alors, je dois arrêter de te demander de l'aide tout le temps. Je dois réussir tout seul. Ah, c'est dommage. On y pensera une prochaine fois, parce que moi, j'y... Je pensais qu'il nous demanderait qu'une seule fois, donc voilà. On va aller au shot. Mais avant ça, je vais aller à Cantoche. Ouais, il y a toujours la vieille. On va lui parler, quand même. Alors, au fait, ça fait un moment que je n'ai pas vu Ergo. Où est-ce qu'il a pas bien pu se passer? Ouais, on sait où il est, Ergo. Il est un peu triste. Ouh, du papier, s'il vous plaît, aidez-moi, il me faut du papier. N'importe quel papier, Ah bah ouais. Pas grand chose d'intéressant. Donc, un petit dodo s'impose. Et la prochaine fois, je penserai à l'endurol. Alors, on va dormir jusqu'au matin. Et donc là, du coup, je vais aller à la consigne récupérer mes petites graines de lance-pierre. La petite sacoche supplémentaire que j'avais déposée la dernière fois. Vu que j'avais plus d'emplacement. Donc, on va y faire un petit tour. Ah, elle veut nous parler. Alors, en plus, ça a l'air important. Alors, bon, je lui donne ou je lui donne pas? Oula, peut-être qu'elle est amoureuse d'Ergo, elle a écrit une petite lettre. Alors, ah Link, c'est toi, tu pourrais prévenir que t'es là? J'étais en pleine réflexion, ça va pas la tête. On va lui dire besoin d'aide, tu pensais à quoi, allez hop. Quoi, tu veux que je t'explique ce qui me travaille? Je vois pas pourquoi j'en parlerai avec toi, mais bon, puisque tu me demandes. Tu pourrais peut-être m'aider, j'aime pas l'admettre, mais t'as l'air de savoir t'y prendre avec les femmes. Bon, ok Link, j'ai un service à te demander. Tu pourrais apporter ce papier à quelqu'un, c'est super important. Ah, bah voilà, on a trouvé notre papier, les gens. Il doit être remis en main propre. Ah, mais il n'y a pas de souci.
Du coup, on va pouvoir donner l'endurol à Célestin, vu que là, on pourra donner le papier à la meuf. Pourquoi tu regardes vers les toilettes? Quoi, il y a quelqu'un la nuit qui demande du papier? Mais ça va pas la tête, c'est pas juste du papier, ça c'est une lettre. Ah ok, une lettre d'amour, j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Et toi, tu voudrais l'utiliser comme un vulgaire bout de papier toilette. Ouais. Pour se torcher le cul. Alors écoute-moi bien, tu dois donner cette lettre à la jolie Grida de la classe au-dessus. Alors Grida, c'est qui déjà? Bah ça, c'est Fifi Brassier. Ah mais ça veut dire qu'en fait, c'est pas une fille. Le personnage qu'on a en face de nous, je pensais que c'était une fille. Mais en fait, pas du tout. C'est un garçon. Waouh! En fait, c'est un garçon qui fait un peu bourgeois dans le style. Mais avec sa chevelure, franchement, je l'assimilais à une fille, quoi. Ok, donc là, on vient d'apprendre que c'est un garçon. Et qu'il est amoureux de Fifi Brandacier. Mais le problème, c'est que Fifi Brandacier, elle est amoureux de Kiko. Donc ça, ça va pas le faire. Alors, tu vois qui c'est? Celle qui a un chapeau rond. Elle est super mignonne. Elle la donne surtout pas cette toquée dans les toilettes. Jure-le. Ok. Donc là, on a le choix entre donner à Grida ou donner à la meuf au shot. Ok, je te fais conscience, t'as pas intérêt à la lire. Vous avez accepté de vous charger de la lettre d'Orbo. Ok, donc Orbo, c'est un garçon. Qui sait si son contenu est réellement sincère. Gardez-vous néanmoins de vous en servir comme papier toilette, ce serait grossier de votre part. Alors, je compte sur toi, Link. Si t'accomplis ta mission, je te laisserai entrer dans ma bande. Pff, on s'en fout. Eh ouais, merci. Alors, t'as déjà oublié ta mission, on va donner la lettre à la fille au chapeau. Alors, ce que je vais faire, et je vais sauvegarder, parce que si je la donne à Grida et que j'ai plus d'occasion de récupérer de papier pour la petite quête dans les chiottes, là, et bah, je serais bien emmerdé. Donc, ce que je vais faire, je vais sauvegarder, je vais la donner à Grida. Et si Grida me la prend et que je me retrouve sans papier, bah je vais reprendre la sauvegarde. Et je préfère la donner à la meuf au shot. Ouais, voilà, je trouve ça plus sympa. Et je pense qu'il y aura une récompense surtout. Donc là on va voir Grida, on va lui donner cette petite lettre. Alors il me semble qu'elle était dans la salle de classe, non? Et pourtant la meuf elle nous a dit à l'étage. Donc là je comprends pas. Alors, Arf, comme je pourrais attirer l'attention de Kiko. C'est elle Grida, il n'y a pas d'autre fille de toute façon. Alors on va lui donner la lettre. Quoi, une lettre pour moi? Elle est peut-être de Kiko. Bon, je vais lui dire la vérité. Putain, il y a tellement d'embranchements là. Je crois qu'on peut lui faire croire que la lettre vient de Kiko. On peut ne pas lui donner la lettre et on peut lui donner la lettre en lui disant que ça vient de Orbo. Ah putain, je sais pas. Alors non, je vais lui dire que ça vient d'Orbo. Alors tu joues à quoi là? Tu te moques de moi? Ah non, non, en fait ça veut dire non, je vais pas te la donner. Alors on va lui rendre. Alors on va lui donner la lettre. Alors tiens. Ah et elle, je crois qu'elle va croire que c'est à Kiko. Ah, ça va être marrant, je pense, cette histoire. Alors, oh merci, Don. Je me demande de qui ça peut venir. Ah, elle croit vraiment que ça vient de Kiko. Dis donc, il y a plein de ratures. Eh, son visage est pas mal, hein, de près. Je trouve que... Ouais, c'est vachement bien fait. Par rapport aux anciens Zelda, où les visages étaient vraiment moches. Là, je les trouve pas mal faits. Enfin bref, qu'est-ce que ça dit? Depuis le premier jour, mon amour pour toi est plus étendu que le ciel et plus profond que la mer de nuages. J'aimerais beaucoup sortir avec toi, ton chevalier servant Orbo. Ah bah non, c'est signé, donc il n'y a pas moyen de lui faire croire que ça vient de Kiko. Donc là, elle est un peu... Ouais, elle sait plus quoi dire. Un peu surpris, je pense. Cet Orbo, c'est pas un des acolytes d'Ergo. Yep. C'est bien une lettre d'amour, non? Oh là là! Mais bon, en même temps, il y a mis tout son cœur. Peut-être que je devrais y réfléchir. Mais qu'est-ce que je raconte? Arf, je me demande ce que Kiko en penserait. Ouais, du coup, là, j'ai plus de papier.
Tu peux pas me redonner la lettre, toi? Ah, c'est embêtant, ça. Alors, je vais reparler à l'hôte. Alors, je vais lui reparler. Quoi, t'as donné la lettre à Grida? Purée, qu'est-ce que je fais? Tu crois que je dois lui parler? Il est un peu en stress, là. Oh non, c'est trop la honte. Alors, Grida, c'est maintenant ce que je ressens. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai le trac. Alors là, je suis bien embêté. Je suis vraiment bien embêté, là. Je vais re-rentrer pour voir. Ah, vas-y, rentre. Pour voir s'il y a du nouveau. Ouais, je pense vraiment que... Ah bah, elle veut encore nous parler. Alors, ah, alors Grida, c'est maintenant... Ah bah, c'est la même chose qu'elle dit. Ah, c'est dommage. Je sais pas si on aura l'occasion de... d'avoir de nouveau du papier. Donc, ouais, je sais pas. Bon, direction le marché, récupérer l'endurol pour Mister Célestin. Et peut-être que le surlendemain, Orbo nous offrira encore du papier, c'est possible. Parce que je pense que là, en fait, il dira la même chose toute la journée. Mais si on le revoit au beau matin, donc un jour plus tard, peut-être qu'il aura de nouveau une lettre à nous donner. C'est possible. Ah, mais lui qu'on voit à la citrouille le soir, en fait, il est ici le matin. Et lui aussi, en fait, il a la citrouille le soir. Ok, donc c'est des mecs qu'on connaissait, en fait. Donc c'est parti, je prends de l'endurol. Je crois que ça coûte cher, en plus, 50 rubis, je crois. Zut, j'ai pas lu. Ouais, c'est l'endurol. Ah, ouais, c'est l'endurol. Que j'ai vu jauge d'endurance. Ok, parfait. Ouais. Ah tiens, bah on peut peut-être améliorer l'endurol pour la donner à Célestin. Alors bien le bonjour. On va essayer d'améliorer l'endurol. Alors il peut améliorer les potions. Allez, améliore-nous l'endurol, s'il te plaît. Alors. Ah, mais c'est pas possible. Gerudo. Ah, mais c'est énorme. Libellule Gerudo. Gerudo, c'est... ah, c'est énorme si... si dans cet opus, on accédera à la vallée Gerudo. Alors, les Gerudo, en fait, c'est... c'est une... Enfin, c'est, moi, j'appelle ça une race. Ouais, non, c'est pas une race, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est juste le nom d'une région dans Ocarina of Time qui est peuplée, en fait, de filles. Que de filles, en fait. De filles, comment on peut les appeler? C'est pas des filles ninja, mais presque. C'est des filles qui combattent à l'épée. Donc, franchement, s'il y a la vallée de Gerudo dans cet épisode, je serais vraiment aux anges. Parce que la musique de la vallée Gerudo dans Ocarina of Time est vraiment énorme. Donc si j'ai l'occasion de vous la faire partager, ça peut être pas mal. Alors là aussi, il nous manque quelque chose. Donc tant pis pour Mister Célestin. Ok, on se casse. Ah ouais, Gerudo, franchement, c'est assez ouf de voir ça dans cet épisode. Je pensais pas. Mais je pense pas qu'on verra les... je sais plus comment on les appelle, bah c'est les filles... je sais plus comment on les appelle. Ah, je me rappelle dans Ocarina of Time, il y avait un passage vachement chiant dans la vallée de Gerudo où il fallait s'infiltrer pour sauver des prisonniers, etc. Et dès qu'on se faisait repérer par une fille, on était éjecté de l'espèce de... C'était pas un château, c'était plutôt... de l'espèce de labyrinthe où on était. Alors là, il y a Kiko qui veut nous parler. Salut Link, ça va? Quoi, Grida a reçu une lettre d'amour? On va foutre la merde dans l'école de chevalerie, moi, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Intéressant, je vois. Et elle compte faire quoi?
Je n'en sais rien, petit Kiko. Alors d'accord, moi ça me travaille quand même. Ah, c'est vachement bien parce qu'il y a vraiment une... Il y a vraiment des relations qui évoluent entre les personnages et ça, c'est... Ça n'existait pas à ce point dans les anciens opus. Alors de toute façon, il n'y a rien entre moi et Grida, on est juste amis. Alors ça ne me regarde pas, elle peut sortir avec qui elle veut. Oula, il est un peu jaloux là. Mais tout de même, j'ai mon mot à dire quand il s'agit de la morale de cette école. Enfin, peut-être que l'amour idéal est celui qui ignore les entraves. Et si l'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas vraiment ce qu'est l'amour. Donc j'ai le droit de m'assurer qu'elle peut vivre librement son amour. Et puis moi aussi, j'ai le droit d'aimer quelqu'un librement après tout. Tu ne crois pas, Link? Oh là là, il se prend la tête pour rien là. On va lui dire tu l'aimes. Parce que ça se voit un peu là. C'est un peu flagrant. Ne raconte pas n'importe quoi, Link. Comment peux-tu imaginer une chose pareille? Enfin bref, mais ça te dérangerait pas de lui demander ce qu'elle a décidé? Ah ouais, il est un petit peu jaloux quand même. Alors du coup, c'est l'occasion d'aller voir Grida. Ah, trop fort! On assiste à la scène de déclaration. Déclaration d'amour. C'est toi l'OLED... Attends, je crois qu'elle est pas contente en plus. Je pense que ça va être comique. Alors c'est toi l'auteur de la lettre, pas vrai? Elle est en train de l'engueuler. Oui. Hihihi, ça m'a beaucoup touché, merci. Hihihi, de rien. Alors, et tu penses quoi de ce que je t'ai demandé? Ah, ce que j'en pense. Oh là là, mais véritablement, on dirait une fille, là. Waouh. Alors, s'il te plaît, allez, s'il te plaît, sors avec moi, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas comme ça qu'il va sortir avec elle. Il entre en lasse-pied. Et minute, papillon. Hi, hi. Donc, Grida sort avec. Moi, je veux être ton amoureux. Nani? Mais tu sors d'où, toi? Hihi, je choisis Kiko. Je savais, j'ai bien vu comment Grida me regardait. Ah, et lui, pendant l'espace de quelques secondes, il a cru que c'était son prénom. Né, Kiko? Vraiment, tu es sûr que je serai à la hauteur? Putain, je me demande si on pourra récupérer du fameux papier, parce que là, j'ai l'impression que ça va s'arrêter là, en fait. Elle va plus nous redonner de lettres. Oh oui, je suis tellement heureuse, merci. Non, mais j'hallucine! Putain, il est parti en gueulant, le mec. Link, c'est quand tu m'as parlé de la lettre que j'en ai pris conscience, j'ai réalisé que j'étais amoureux d'elle. Je ne veux surtout pas la perdre. Si tu ne m'avais rien dit, ne se serait jamais rien passé. Merci beaucoup, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah, j'espère qu'elle va me donner la lettre. Avec un petit cristal de gratitude. Ah, c'est cool. Chacun d'entre eux est un concentré d'essence de reconnaissance. On a 26, il faut qu'on en ait 30. Et attendez, vous avez vu ou pas? Regardez. On a une lettre. Lettre d'Orbeau qui avait écrit... Lettre Corbeau avait écrite en y mettant tout son cœur. Vous l'avez remise à une jeune fille, mais... Ah, c'est génial, on l'a récupérée. Sans qu'ils nous le disent, en fait, elle était dans notre inventaire. Ah, mais c'est génial. Alors, je veux juste vous montrer la flamme de Faror qui s'est illuminée ici. Je vous l'ai montré tout à l'heure en y pensant. Mais en fait, c'est des flammes. Moi, je pensais que c'était des petites pierres qu'on récupérait, quoi. Mais en fait, non, c'est bien des flammes. Donc là, je vais juste lire la description. Épée imprégnée de la flamme de Faror s'enfile les prodigieusement tranchants. Yep. Donc c'est pas des petits trucs qu'on doit récupérer comme dans Ocarina of Time. Comme je le pensais au tout début de l'aventure. Mais ce sont des flammes. Alors là, je vais leur parler un petit coup. Salut Link, grâce à toi, j'ai une super amoureuse, merci.
Ah ah ah, merci Ling, grâce à toi j'ai un super amoureux, mais je me demande si j'ai baissé Orbo. Oh, à peine. Je pense qu'il est... Ah, pardon. J'ai pas pu l'éviter celui-là. Du coup, il est plus là. Alors c'est la chambre d'Orbo et de la truche, mais elle est toute petite la chambre. Ah, c'est un lit superposé. Ah mais je sais pas où on pourra le revoir. J'en ai aucune idée. Alors là on va dormir et on va les papiers. On va les papiers. On va les donner le papier. Durant la nuit. Et on va aussi donner l'endurole à Mister Célestin. Donc j'ai bien fait de m'arrêter à l'école de chevalerie parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. Ah bah sans le savoir, j'avais dormi dans la chambre de Célestin. Donc c'est pas mal. Alors là, il en a 57. Allez, on va lui passer cet endurole. Merci, je l'accepte avec plaisir. J'adore sa tête. Wouhou, j'ai l'impression de revenir à la vie, toute ma fatigue s'est envolée. Je m'inquiète un peu parfois, j'ai l'impression de ne pas m'entraîner efficacement. Je vais devoir continuer combien de temps avant de devenir vraiment costaud, qu'en penses-tu? Link, combien de pompes faut-il encore que je fasse avant de voir pointer mes muscles? Je vais dire peu importe, parce qu'un millier ça me paraît énorme. Comment ça peu importe? Tu veux dire que je dois continuer jusqu'à ne plus pouvoir les compter, c'est ça? Il me fait penser à Rock Lee dans... Non, il me fait pas penser à Rock Lee, mais si. Rock Lee dans Naruto, ses yeux me font penser à Rock Lee. Et le fait qu'il fasse des pompes aussi me fait penser à Rock Lee. Mais son caractère ne me fait pas du tout penser à Rock Lee. Il a un caractère totalement différent. Alors cette fois, je vais vraiment devenir balèze. J'ai compris. Reviens me voir bientôt, tu verras mes progrès. Ok, donc j'ai l'impression qu'on va redevoir lui donner de l'endurole. Une troisième fois, peut-être. Mais ça, ce sera plus tard. Alors là, on va au shot. Toilette. Oublie tout ceci, adieu. Oh merde! Non! Ah, ça fait chier ça par contre. Ok, bah j'ai l'impression qu'on avait un choix, soit donner la lettre à Grida, soit donner du papier. Mais je pense que ce choix n'a pas de réelle incidence. Puisque en fait on obtiendra dans les deux cas des cristaux de gratitude. Donc je n'ai pas à y penser, on s'en fout un peu en fait. C'était pas si gênant que ça. Alors là, est-ce que je peux dormir chez lui? Je vais dormir direct jusqu'au matin. Donc ouais, je pense que c'est pas grave si on n'a pas donné le papier à la fille des chutes. Mais j'aurais vraiment bien voulu savoir qui c'était. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais bon. Je vais quand même pas tout recommencer ce que je viens de faire. Pour une histoire de papier toilette. Donc si vous savez, vous, qui était derrière les shots, et que durant, si vous jouez aussi à Skyward Sword, et que durant votre partie, vous avez donné la lettre à la personne dans les toilettes. Je suis très intéressé de savoir qui c'était. Ça permettra de renseigner aussi d'autres personnes, je pense. Alors là, il y a un trésor, donc on va y aller tout de suite. Nickel. Donc, je vais voir si sur la carte, c'est indiqué. Ouais, il y a même un deuxième trésor en plus. Alors là, c'est quoi? Pierre Sheka, ok. Donc je vais récupérer les deux trésors. Ok, nickel. Ah ouais, je consulte pas du tout cette carte. Mais en fait, elle est utile. Hein. Donc là, on peut même voir où Terry, la position de Terry. Alors les petits ronds, c'est quoi? C'est des maisons. Ok. Ok, bah je vais récupérer le trésor, les deux trésors. Alors ça, c'est quoi? L'école de chevalerie, ok. Ok, c'est cool.
Alors, qu'est-ce qui s'y cache? Ok, j'ai plus de rubis qu'il n'en faut, là. Ok, je vais récupérer l'autre. Ah, j'avais même pas vu que... Ah, je vais passer... Ah non, je suis tombé, je crois. Ah, mais je suis tombé sur Célesbourg. Non? Ok. J'ai envie de passer sous Célesbourg pour voir s'il y a des choses intéressantes. Donc là, il y a notre ami démon. Là, il y a quoi ici? Ouais, là, je crois que c'est là où on a récupéré nos trois os au tout début de l'aventure. Et je vais récupérer ce coffre. Et je crois que pour récupérer le coffre, en fait, on est obligé d'atterrir à Célesbourg. Parce qu'il y a une petite cutscene qui nous empêche d'atterrir à l'endroit où on veut. Et je vais tenter de me repérer avec la petite carte. Alors c'est à droite. Alors c'est ici. Mais par contre, je ne pense pas pouvoir l'atteindre. Ouais, ça me paraît pas possible. Ce que je pense, c'est qu'il faut aller là-haut. Et pour aller là-haut, et en fait, il faut aller là-haut et sauter jusqu'à cette plateforme. Mais pour aller là-haut, d'abord, il nous faudra le grappin. Et grâce au grappin, comme dans tous les Zelda, on peut s'accrocher aux lières. Donc là, il y a une lière, et là, il y en a une deuxième. Donc on s'accrochera ici, boum. Puis ici, boum boum. Et là, on pourra récupérer le trésor, fameux trésor. Ouais, donc là, c'est pas pour le moment. Donc on va pas s'en occuper. Et on va tout de suite aller... à l'île aux champs. C'est parti. Alors, l'île aux champs, c'est de l'autre côté. Voilà. On suit le petit rayon. On commence à avoir l'habitude maintenant. Je pense pas qu'il y a des trésors accessibles dans le tourbillon là, parce que j'en ai pas vu sur la carte. Donc, direction l'île aux champs, apprendre notre nouveau chant de lyre. Mais en fait, les chants, j'ai pas l'impression qu'ils nous servent à quelque chose, parce qu'en fait, c'est toujours le même mouvement qu'on effectue quand on joue de la lyre. Et j'ai l'impression que que le chant en fait est sélectionné automatiquement en fonction de l'endroit où on doit jouer de la lyre. Donc nous en fait on effectue les mêmes mouvements par rapport aux ondulations que Faye nous montre. Mais c'est pas comme dans les anciens Zelda où on devait effectuer des notes pour jouer des chants différents. Là, j'ai l'impression que les chants différents sont tout de suite montrés par Faye et non pas sélectionnés par nous-mêmes. Donc voilà, de ce côté-là, ça a un peu changé. Donc là, c'est cool, on n'a pas à se retaper l'énigme tortuaire qui nous aura bien fait chier. Donc là, je me demande si avec le grappin, on peut escalader la petite tour. Peut-être. Je pense pas, non, ça sert à rien, je pense. Parce qu'on peut directement atterrir avec l'oiseau, il me semble. Donc c'est parti. Il y aura une petite cutscene. Donc là, je brandis l'épée. Allez, vas-y. Ok, ça a foiré. Tant pis pour nous. Ah non! Mais en fait, c'est Link qui est mal placé. Alors là, ça devrait peut-être aller. Voilà, nickel! Donc là, je pense qu'il y aurait une petite musique sympa à chaque fois quand Faye nous joue des petites musiques. Quand il y a la déesse qui apparaît. Mais en fait, c'est quand on apprend le chant, tout simplement. Donc là, la déesse qui fait peur, on dirait une ventriloque comme d'hab.
Alors Maître Link fait au rapport, les mots de la déesse sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé l'éclat céleste sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous, Maître. Toi qui poursuis ta quête des trois flammes sacrées, je vais du fond des temps à nouveau te guider. Brûle deux flammes sacrées qu'encore tu dois trouver, de nouvelles reliques il te faudra gagner. Pour que te soit remis cet talisman sacré, d'exigeante épreuve, tu devras surmonter. Alors, le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira et des flammes sacrées, l'éclat t'enchantera. Alors écoute ce chant dont les accents révèlent l'épreuve que renferme le désert de l'Anel. Ah, directement le désert de l'Anel. C'est étrange, j'aurais cru que l'ordre serait conservé, que ce serait le la région d'Ordain. C'est étrange ça. Je vais vous dire après pourquoi c'est étrange. Mais je vous laisse écouter pour le moment. On dirait une mélodie, vous savez les petites mélodies qu'on retrouve pour les petits enfants, vous savez le petit jouet qui sert à les endormir, ça me rappelle ça en fait. Les petites mélodies pour endormir les petits enfants. Alors la sagesse de Nairu, tel est le nom de ce chant de connaissance qui vous guidera maître. Alors oui, pourquoi c'est étrange qu'on va au désert de l'Anel? Parce que je vous avais dit qu'en fait pour progresser dans le désert de l'Anel, il me semblait, j'en suis même sûr, qu'il fallait le grappin. Mais pour obtenir le grappin, il faut d'abord qu'on effectue un donjon, quoi. Donc, à moins que la relique sacrée qu'on récupérera, ce sera le grappin, mais c'est impensable. Parce que le grappin, c'est pas une relique qui est stockée dans l'inventaire, c'est un objet qui doit être stocké dans la sacoche d'aventurier. Donc tout ça, ce sera totale découverte, parce que... Pour le moment, j'en ai aucune idée. Alors, tel est le nom de ce chant. Maître. Bon, direction désert de l'Anel, on va effectuer ce qu'il nous demande. Alors, j'ai mémorisé la sagesse de Nairu. Vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers le désert de l'Anel. Ok, on va écouter Monsieur Nintendo. Ok, donc là on a la nouvelle détection qui est apparue. Donc là ils veulent absolument qu'on l'utilise. Attendez, faut que je... Voilà. Voilà. Donc c'est parti. Le désert de l'Anel, c'est le rayon jaune. Donc là il y a un petit effet de petite pluie vraiment très fine qui est super bien rendu. Ils ont pas voulu faire une pluie à grosses gouttes, mais ils ont juste voulu faire des petites gouttelettes d'eau. C'est super sympa à voir. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans les Zelda ou dans les Mario, c'est que je n'avais pas vu jusqu'à présent des environnements où il y avait de la pluie. C'est dans Super Mario 3D Land et dans Mario Kart 7 que j'ai vu pour la première fois des environnements où il y a de la pluie. Et cette fois-ci dans Zelda Skyward Sword, c'est la première fois que je vois un environnement de pluie dans un opus. Donc ça, c'est un petit détail dont je m'étais rendu compte et je m'étais fait cette réflexion à moi-même. Donc je la partage avec vous. C'est sûrement, je pense que c'était une petite difficulté, enfin non, je pense peut-être qu'ils y pensaient pas, aucune idée. Mais n'hésitez pas à me contredire
s'il y avait un environnement de pluie dans un des Zelda ou dans un des Mario avant ceux dont je vous ai cité. Parce que je serais curieux de savoir. Parce que je pense vraiment que c'est dans ces opus-là que je vous ai cité que la pluie a fait son apparition. Le désert de la Nel, c'est ici. On va tenter de faire le PGM là. Je pense que ça ira. Ah là, nickel. C'est parti. On va se lâcher. Il faut pas que j'oublie de récupérer le matériau qui me manque là. Parce que j'ai remarqué qu'il était important celui-là. Alors, pointez l'endroit où vous souhaitez atterrir avec la petite icône. Alors déjà, on va recentrer. Alors, est-ce qu'on atterrit au temple du temps? Ouais, pourquoi pas. De toute façon, Faye va nous diriger, va nous dire où aller. Enfin, c'est pas Faye, c'est la détection qui va nous dire où aller. Voilà, je pense que Faye va nous parler, comme d'hab. Alors, nous sommes arrivés au temple du temps. Je peux utiliser la détection pour trouver l'entrée de l'épreuve qui vous guidera vers la flamme sacrée. Donc, je vous rappelle que tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour aller dans l'espace-temps où se trouve Zelda. Vu qu'on ne peut pas utiliser la même entrée que Zelda lorsqu'elle a voulu s'enfuir. Donc je vous réexplique en 3 secondes pour les deux du fond qu'on pas suivi. Alors en fait c'était on peut appeler ça cette pierre en gros. C'est l'entrée qui ramène dans un autre espace-temps. Et où Zelda se trouve. Mais le problème c'est que quand Zelda est comment ça s'appelle? Je sais plus comment s'appelle sa nounou. Impa. Se sont enfuis. Ils ont pris la précaution de détruire l'entrée vers ce monde. Pour ne pas que Ghiraim les suive. Et du coup, nous, vu qu'on veut les rejoindre, on s'est un peu fait un petit gros fail dans la tête, quoi. On est parti voir la vieille au temple du sceau. Qui nous a informé que pour les rejoindre, il y a un autre moyen. C'est de frapper avec l'épée légendaire la pierre qui se trouve au temple du sceau. Mais pour cela, en fait, faut que l'épée qu'on possède, l'épée sacrée, l'épée céleste ou je ne sais plus, il faut qu'elle retrouve son pouvoir absolu. Et pour retrouver ce pouvoir, vous l'aurez compris, il faut récupérer les 3 flammes sacrées. Voilà. Donc ça c'était un petit résumé histoire de voir un peu plus loin que l'action qu'on fait en ce moment. Histoire de pas perdre de vue notre objectif principal. Alors la détection, oui voilà, nous ramène où? Ok, il faut sortir par là. Ah bah vous voyez, j'ai oublié de récupérer le sac de graines. Eh bah attendez. Pas. Ah oui, non, c'est pas là. Voilà, c'est ici. J'ai oublié de le récupérer à l'office. Ça, c'est dommage. Donc là, je vois des papillons. On va jouer de la lyre. Alors, boing, boing. Alors, il nous donne toujours un petit objet, c'est sympa. Tenu un cristal maléfique. Ok. Alors on raconte que pour capturer les insectes rares, il faut les approcher très lentement avec un grand filet. Ok. Attendez. Faut que j'utilise mon scarabée. Pour activer... Oula, il y a lui qui veut me faire chier là. Ah, comme par hasard. Bon, on s'en fout. On va tout de suite réitérer. On va activer ce truc. Ah non! Faut pas qu'il revienne le mec. Allez, vite, 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 vite.
Bon bah nickel. Voilà, là je suis obligé de faire ça pour retourner là-bas. Voilà, maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'active le deuxième. Voilà, ça faisait longtemps ces trucs, ça, mais ça m'avait pas tellement manqué, hein, franchement. Allez, là par contre je peux pas m'arrêter pour taper la pierre, ça me gêne un peu. Parce que j'ai pas de solution. Pour le moment je vois pas comment faire. Donc la détection, ouais, c'est par là-bas. Donc direction la deuxième épreuve. À chaque flamme sacrée, il y aura une petite épreuve. Maintenant, vous commencez à être habitué, pas besoin de vous le répéter. Alors, détection par ici. Alors là, j'ai passé les petits trucs, les petites balises. J'ai placé les petites balises histoire de savoir où je peux marcher. Ah, mais je pensais que c'était dur ici. Bah merde. Je pensais qu'ici on avait pied en fait. Alors, je vais regarder la carte. Bah non, en fait, faut que j'en passe une ici. Voilà. Donc là, c'est le petit piège. Voilà, c'est par ici, en fait. Il y a de nouveaux ennemis. Je vois qu'il y a un gros mokoblin, là. Je vais pas m'en occuper. Attendez, je vais faire le tour du truc. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Ah non! Là, je vais tomber. Je vais mourir, je pense, non? Ok, ça va. Bah voilà, tant mieux, je vais faire le tour du truc à pied. Là, il n'y a rien d'intéressant. Ah, il y a beaucoup plus d'ennemis que précédemment. Histoire de nous faire chier un bon coup. Alors, la détection... Non. D'accord. Ah, je pense que c'est dans la petite grotte, là-bas. On avait visité quand on était venu ici. Alors, ouais. Ah, là, faut jouer de la lyre. Ah bah oui, voilà, oui, j'avais oublié que pour atteindre les épreuves, fallait jouer de la lyre, c'est vrai. Je pensais qu'il y aurait une pierre chez K. Mais c'est bien notre épreuve. Alors, ah là, faut que je joue. Ah, là je joue pas bien apparemment. Ça me gêne un peu qu'elle répète la même chose, Faye, là. Ça fait un peu casse-bonbon, là, plutôt que jolie chanson. Là, par contre, elle chante intégralement. Voilà, j'aurais préféré qu'elle chante ça au lieu de répéter ces deux petits bouts de phrases. Là-bas, j'ai vu des flammes. Donc c'est parti pour la deuxième épreuve. Je pense que ça va être beaucoup plus dur parce que là, il y a toute une notion de sable mouvant à prendre en compte, je pense. Alors, plantez votre épée, ça marche. Ah, il y a la petite musique derrière, écoutez. Ah ouais, c'est vachement éparpillé là. Yep, 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 ça va être plus dur que précédemment là. Ouais, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça des épreuves. Et waouh, il y a beaucoup de fantômes. Il y a beaucoup de... Waouh. Ça va être plus dur là. Maître Link, je ne peux toujours pas vous accompagner, je m'adresse donc directement à votre esprit. Maître, vous vous trouvez dans un psysalis, une psysalis.
un monde spirituel où seul l'élu de la déesse peut pénétrer. Celle-ci est la deuxième, Psyzalis, qui mettra à l'épreuve votre sagesse. Donc, la sagesse de Nairu. Alors, pour trouver la nouvelle flamme qui renforcera votre épée, votre âme doit grandir encore davantage. Yep, dans ma précédente vidéo, je vous parlais des 3DS. Non pas la console de Nintendo portable, mais les 3 plus loin DS. Qui en fait sont à l'origine de la Triforce. Donc la Triforce, c'est les 3 petits triangles qui sont le symbole d'un pouvoir suprême, quoi. Donc les 3DS sont... Il y avait qui? j'ai oublié les deux autres. Parce qu'en fait j'en avais oublié un dans ma précédente vidéo, c'était Nairu. Les autres c'était... Ah voilà, c'était Faror et Dain. Voilà. Donc on a eu la flamme de Faror, cette fois-ci on aura la flamme de Nairu. Et le prochain ce sera la flamme de Dain. Si tout est respecté. Pour trouver la nouvelle flamme qui renforcera votre épée, votre âme doit grandir encore davantage. Voilà le réceptacle spirituel. Ça marche. Ils vont nous réexpliquer les règles, je parie. Lorsque le réceptacle spirituel sera rempli, votre âme s'épanouira et la déesse vous octroiera un nouveau pouvoir. Avez-vous des questions, maître? Alors là, je me demande vraiment... De quel pouvoir il s'agira. Alors là, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'on pourra faire de plus au niveau du gameplay. Parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau... C'est une nouvelle... un nouveau truc qu'on pouvait pas faire avant, quoi. Donc un nouveau pouvoir qu'on acquit. Alors j'attendrai votre retour dans le monde extérieur, maître. Ok, donc là, faut vraiment qu'on cartonne. Ouais. Faut qu'on soit méthodique. Je vais tenter de me faire d'abord ceux de droite. Donc ici. Oh ah putain, ça fait flipper avec les bruits de pas là. On a vraiment l'impression qu'il va nous attraper d'un moment à l'autre. Merde, je pensais qu'il y en aurait ici. Au moins j'en vois pas. J'ai même pas envie de regarder en arrière là, tellement je pense qu'ils sont près de moi. Putain, je suis essoufflé en plus. Ah ouais, ils sont vachement près. Oh, wow, 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 attendez. Ah voilà, c'est ici. Voilà une larme de Nairu. Du coup là on est tranquille pendant 90 secondes. Oh putain, j'avais l'impression qu'il allait me toucher le mec. Puis on va récupérer celle-là. En fait là c'est beaucoup plus facile de les voir les larmes. Parce que l'environnement est vert. Et les lumières sont plutôt vers le jaune. Tendent vers la couleur jaune. Et là j'ai pris un peu de hauteur donc ça peut être encore plus facile. Si je me concentre. Donc là il y en a pas mal apparemment. Par contre je me demande comment on peut avoir celle-ci. Comment on peut l'avoir celle-là? Assez étrange. Ah je vais prendre une perle d'ombre. Au passage, vu que c'est dans les Psyzalis qu'on ne peut les avoir. Seulement. Alors, ouais, je vais prendre ça, mais je vois pas à quoi ça me sert pour moi, vu que je vois le petit truc, les larmes. Alors, comment on fait pour aller là? Alors là, si je sais pas, ça va être la cata. Comment on fait? Alors là, par contre, ça va être la cata. Peut-être qu'il faut faire sortir le mec du trou. Et qu'après, on aura la possibilité de... Alors ça me paraît compliqué, par contre. Hein. Parce que le problème, c'est que je n'ai plus mes objets. Et ça, c'est trop loin. Je peux pas sauter dessus, quoi. Ok, je vais attendre que le mec sorte de sa cage. Et on verra si y a moyen de récupérer le truc. Alors là, il n'y a rien. Alors ici, on a là-bas. Oh là là, l'endurance, elle me saoule. Alors là, on va regarder. Une perle d'ombre, je prends.
Ok. Alors là, je vois que les 90 secondes sont bientôt écoulées. Alors je vais me mettre près de la cage. Histoire de voir s'il y a possibilité de récupérer l'alarme. C'est vachement dangereux là ce que je fais, mais je vois pas d'autre solution. Voilà. Ok, ça fait super flipper là le bruit. Ah ouais, là ça sent vraiment la flip. Vas-y, sors de ta cage. Ah mais merde, en fait ça change rien du tout. Je pensais qu'il aurait ouvert les grilles. Et que ça nous permettait de récupérer le truc quoi. Donc là je suis un peu dans le caca. Donc, je vais aller tout droit. Et que ça saute. Voilà, je cours comme un malade parce que ça joue à peu de choses là. Là je pense qu'il y aurait une perle d'ombre. C'est quoi ça? Ah c'est cool! J'ai obtenu une poussière de déesse. Donc ça c'est cool. Alors est-ce qu'il y a des trucs ici? Ah ouais! Putain il... Oh, bon. Je passe attention à eux, je les avais oubliés. Merde! Et ben voilà. Du coup je me suis fait repérer, c'est un peu la dèche là. Ah voilà, c'est vachement plus dur que l'autre épreuve, la première. Du coup, j'essaie de trouver des trucs. Et je sens mal, hein. Franchement là je sens mal. Je vais tout faire pour y arriver. Là il y a lui qu'il faut que j'esquive. Alors il y a lui qu'il faut que j'esquive. Je vais tenter de récupérer celle-ci par exemple. Ça va être chaud parce que le temps que j'arrive là-haut. Ah ouais, en plus je suis essoufflé, putain. Ah voilà, c'est chaud les mecs. Attendez, attendez. C'est faisable, c'est faisable. Waouh, c'était juste. Allez hop. Boum, boum, boum. Ouais, là c'était juste quand même. Alors là, effectivement, on voit pas le rayon qui traverse le ciel. Donc c'est un peu plus dur à les voir si on n'a pas le fruit pour le moment. Donc là, le fruit est ici. Alors, faut pas que je récupère tous les fruits parce que je pense pas qu'ils repoussent. Non, ils repoussent pas en fait. Donc quand j'en ai pas besoin, il y a pas besoin de les récupérer. Alors, si est-ce qu'on a terminé notre ménage? Non, il y en a d'autres. La petite musique de fond, elle met vraiment dans l'ambiance là. C'est vraiment pas mal. Donc là, il y a de l'eau, donc faut faire attention. Donc là, pour récupérer celui-là, je vais faire un salto arrière, non? Oh putain, mais je comprends rien du tout, quoi. Comment je le récupère? Faut que je monte sur ça, en fait, non? Eh, mais je pense qu'il y a des interrupteurs activés, en fait. Des interrupteurs du passé activés? C'est incroyable. J'en ai vu aucun, moi, des interrupteurs du passé. Non, c'est pas possible, dans le Psy Alice, il n'y a pas d'interrupteur... Comment faire? Attendez, faut que je réfléchisse là quand même. Parce qu'elle est vachement en hauteur. Hein. Là, il y a de l'eau, donc faut pas se faire repérer. Ah, mais peut-être qu'il y a... Non, bah non. Je me disais peut-être qu'il y a plus de larmes qu'il n'en faut en fait. Peut-être qu'il y en a 20 et que nous on doit en récupérer 15. Mais je pense pas. Donc pour le moment je sais pas. Alors est-ce qu'il y en a là-bas? Ouais, il y en a un. Il y en a deux. Faut que je fasse gaffe là, je vais m'enfoncer là. Oh, non! Oh là là, je suis mort. Et là, je sais pas si on doit tout recommencer.
Ah ça va, franchement ils sont sympas. Ouais, ils sont vraiment sympas sur ce coup. Je vais passer par là, je suis obligé en fait. Et du coup, faut attendre bien sagement ici. Voilà, du coup, il y a lui qui passe. L'autre, on va l'éviter. Voilà, nickel. Ah putain, en plus, il y a un maître juste à côté, là. Oh, ouais, ça aurait été chaud, là. Si le temps se serait écoulé, ça aurait été chaud. Vas-y, agrippe-toi. Il y en a un. Donc, pour le moment, je récupère les autres que je vois sur mon passage. Donc là, il y en a un. Je vais tout de suite le récupérer. Ah, ça va être dur, hein, parce que je pense que les autres vont me poursuivre. Et qu'il me restera que l'alarme que je n'arrive pas à atteindre, là. Et du coup, je vais me faire tuer au dernier moment. Je le sens trop comme ça. J'aurais trop la haine, d'ailleurs. Donc là, il y en a 3, 4. Ouais, ouais, bah, vraisemblablement, il y a juste le nombre qu'il faut, en fait. Ouais, bah, c'est chaud, hein. Peut-être qu'il faut utiliser un ennemi, je sais pas, pour qu'il nous fasse... qu'il nous fasse faire un bond en arrière, je sais pas, moi. Et du coup, on peut atteindre le truc qui est en hauteur. Aucune idée. Donc là... Ah ouais, mais il y a celui-là aussi, j'avais oublié. Mais il y en a deux dans mon malheur, en fait. Ces deux-là, je vais laisser en dernier. Ouais, mais si je les laisse en dernier, ça va être dur. Oh là là. Alors, attendez. Parce que là, il faut que je trouve un fruit. Je pense que c'est par là. Mais comment on fait pour l'avoir? Mais en fait, dès que j'aurai compris comment avoir celui-là, je pense que je comprendrai comment avoir l'autre là-bas. Là, il y a un fruit, mais je pense pas pouvoir l'atteindre. Oh zut! Je vais prendre le fruit ici, là. Ah, ça va être chaud, là. Alors... Là, ça va être chaud cacao. Oh putain, mais cette épreuve est vachement dure. Je suis obligé de monter là, sinon je vais me faire... Ah non! Putain, il a failli m'avoir ce salaud. Je vais... Putain, ah oui, je sais où il faut aller. Faut aller au centre, petit cercle en fait. Ah putain, il y a un mec là. Il y en a deux même. Ah, c'est choqué KO là. Attendez, dans mon malheur, je vais récupérer une perle d'ombre. Voilà, faut que j'aille ici. Voilà, nickel. Et là, du coup, j'ai le temps d'examiner. Ouais, mais non, ça sert à rien parce que... Mais bon, en tout cas, j'ai le temps de réfléchir. J'essaie de réfléchir à comment je peux avoir les trucs. Mais je n'en ai aucune idée. Alors si je sors, je me fais repérer direct. Je vais plutôt attendre un peu. Que personne ne bouge. Que personne ne bouge! Alors... Non... Je vais me faire tuer. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. J'ai plus d'endurance. Non! Je l'ai esquivé les mecs, c'était chaud là. Plus d'endurance. Bon, allez, je vais dans le cercle, moi, direct, parce que là, ça va pas du tout. Ah, c'est chaud là, franchement, c'est chaud, ils abusent. Ah, ils ont abusé dans la difficulté là. Ah, c'est monté d'un cran là. Je vais récupérer le fruit que j'ai vu là-bas. Je pensais avoir vu un fruit, c'est le fruit dans mon imagination ou... Oh putain, c'est chaud les mecs.
Non, c'est chaud. Faut jouer à la carte parce que... Sinon, je vais tomber. Voilà, ça ira mieux. Je fais n'importe quoi, là. Je fais vraiment n'importe quoi. Oh là là, je fais n'importe quoi. En fait, ils sont en train de me stresser, là. À courir vers moi. Du coup, je fais un peu n'importe quoi. Oh putain, cette épreuve, j'ai l'impression que je vais y passer un moment. Ah, vas-y, vas-y, je préfère me faire engloutir que me faire tuer. Alors. Putain, je vais me faire tuer, là. Et je crois, en fait, que si on se fait tuer... On doit tout recommencer. Hein. Putain, je préfère me faire engloutir. Oh ouais, bah écoutez, ouais. On doit tout recommencer. Alors ce que je vais faire, c'est que en priorité, tant que j'ai pas compris comment récupérer les larmes qui posent problème, je vais pas récupérer les autres sinon. Alors tout de suite les larmes faciles à atteindre, mais de les conserver pour le moment où vous seriez à découvert. Ok, je vais pas récupérer les autres parce que sinon j'aurai toujours le même problème et je resterai bloqué à la fin quoi. Putain mais lui c'est un bâtard, t'as vu comment il court? Il a couru comme un malade ce gros là. C'est ouf. Alors, c'est par là-bas. Donc ouais, je vais m'en occuper, sinon sinon on va tourner en rond, quoi. Oh là là, et j'ai vraiment aucune idée pour le moment. C'est un peu plus loin. Voilà, c'est par ici. Comment ils veulent que je le récupère, franchement? Attendez, putain. Oula, 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 je fais une connerie. Faut que je centre. Pourquoi il y a une Triforce? Ah bah écoutez, je vais sortir l'épée céleste. Ah mais non, j'ai pas d'épée céleste. Pourquoi il y a une Triforce? Et on peut pas parler à Faye, c'est ça qui est embêtant en plus. Bon, je vais monter, je vais prendre la hauteur. Ouais, je vais d'abord prendre ça, parce que là, les 90 secondes, elles sont bientôt écoulées. Oh là là, je n'ai pas d'idée. J'ai vu qu'il y avait un symbole des Triforces juste en dessous, ça doit pas être anodin. Comment faire? Attendez. Ah, il y a même la localisation des trucs, c'est pas mal. Alors, on va regarder l'inventaire. J'ai des grands creuse-tout, j'ai un parachal, j'ai une écaille dragon. Ça, je peux pas les utiliser. Je ne vois pas. J'ai pas la lire. Eh mais faut absolument que je sache là. Parce que c'est problématique. Alors ce que je pense faire, c'est... Bah non, je peux pas. Je voulais aller à l'emplacement du monsieur là, pendant qu'il se barre. Mais en fait, il y a les grilles de la cage qui ne le permettent pas. C'est vachement étrange. Alors ce que je pense... Ouais. Ce que je pense... J'ai eu une petite... une petite pensée là. Qui m'est venue comme ça. C'est que peut-être qu'il faut retourner dans le monde présent. Et activer les interrupteurs. Parce que je sais qu'il y a un interrupteur du passé à côté de la cage. Et peut-être que ça changera quelque chose. D'abord, faut que je retrouve le cercle.
Et franchement, si j'ai trouvé la solution... Ouais, je préfère mourir englouti. Si j'ai trouvé la solution et que c'est la bonne, quoi... C'est vraiment que je suis un boss, hein, franchement. Parce que c'est pas évident de trouver une solution. Alors, je crois qu'on peut retourner dans le présent, donc on peut, en allant sur le cercle et en faisant examiner. Alors, je veux quitter ce monde. Donc, on va faire ce que je vous ai dit, et si ça marche pas, tant pis. On aura essayé. Parce que je vois pas d'autre solution. Ah, la classe. Ça, c'est la classe Link. Alors, on va y aller. Grâce à la nouvelle tour qui a poussé en plein milieu, c'est plus facile de se rendre à l'opposé. Alors, voilà, la cage est ici. Je pense que c'est pas anodin qu'on puisse retourner dans le présent. Donc voilà, je réactive ça. Il y a un petit robotics là, je vais lui parler. C'est lui qui nous avait amélioré notre scarabée. Alors tu es encore là, sois prudent. Ok. Et du coup je vais aller voir à côté si je peux pas faire la même chose pour le petit wagon qui était à côté de la petite larme. Alors il me semble que c'était ici. Ouais, bah c'était ici, mais il n'y a pas de wagon. Ah, mais je pense que simplement le wagon, je pouvais le pousser. Ah, mais j'ai compris. Voilà, je viens de comprendre la solution. Parce que pour moi, les wagons, en fait, ils avancent que quand il y a un interrupteur du passé qui est activé. Mais non, en fait, on peut les pousser à la main. Et je n'y ai pas pensé parce que pour moi, ça... Il y avait forcément un interrupteur du passé à rechercher. Et là, du coup, tout ce qu'on vient de faire, ça ne sert à rien. Mais comme je n'avais pas de solution en tête, j'étais bel et bien obligé. Allez hop, des petites balises. Histoire de pas tomber. Attendez, je vais tuer les trucs électriques. Peut-être qu'ils nous donneront des objets. Non, que dalle. Ok, je viens de comprendre l'astuce auquel je n'avais pas pensé. Du coup, ça va être plus évident maintenant. Alors, je vais essayer de récupérer le truc. Le truc virevoltant. Faut pas qu'il se casse. Ah, mais non, tu vas trop loin, toi. Attendez, est-ce qu'il s'est arrêté? Non, il est tombé dans le sable mouvant. Ok, bah en fait c'était tout simple, il n'y a pas trop à se creuser la tête. Allez hop, on y retourne et cette fois-ci, je vais me les faire, il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti. Alors on va essayer de faire ça intelligemment. Alors je vais prendre celle qui est sur ma gauche. Alors est-ce que c'est la gauche de Link ça? Ouais, c'est la gauche de Link. Ok, je prends celle-là. Ah, ça va être juste. Hein. Ok, nickel. On y est arrivé, cette... après maintenant je vais m'occuper de celle-ci. Pour cela, je vais mettre des petites balises. Ouais d'accord. Mais en fait non, ça sert à rien parce que je peux pas passer par là. Oh là là, mais l'essoufflement ça me saoule moi. Ah ouais, je suis en train de bien galérer hein, sur cette épreuve. Pas du joli joli tout ça.
Est-ce qu'il y a d'autres chemins? Non. Ah si, je peux avancer. Bon, je vais plutôt faire ça. Voilà. Alors, jusqu'ici... C'est bon. Après, boum boum. Et après, le reste, c'est simple. Ok. Voilà. Ensuite, je dézoome. Je vais récupérer les 3 d'ici et les 3 sur la plateforme. Je veux juste aller tout droit apparemment. Donc on va commencer. Oula 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 oula, ne tombe pas, s'il te plaît. Merci. On va commencer par les 3 de la plateforme. Voilà, nickel. Est-ce qu'il y en a un autre ou je sais pas, ouais, ok, je peux aller direct là. Alors celle-là, je vais la laisser. Comme ça, ça me fera un trajet moins long. Et celle-là, je vais la prendre. Ouais. Mais vas-y, à gauche, à droite plutôt. Voilà. Ensuite. Ah mais en fait je l'ai prise, je croyais qu'il y en avait une là, ok ouais. Donc oubliez ce que je vous ai dit, on va récupérer celle-là. Ouais nickel, pour l'instant c'est plutôt bien. On va récupérer ces trois là maintenant. Pour cela, je vais passer par là. Alors est-ce que là... Ouais, ça devrait aller. J'espère. Voilà, nickel. Ah mais celle-là, c'était celle qui était juste devant nous. Ensuite. Celle de gauche, c'est avec les fantômes, là. Je vais plutôt récupérer celle-là. Qui est ici. Alors, où elle est? Je vais récupérer la perle d'ombre. Tant qu'à faire. Alors où est-elle? Ok, il y a un petit chemin à faire sur la plateforme. Donc là ça va être plutôt dur. Je récupère. Parce que je crois qu'il y a pas mal de surveillance. Ah non, ça va, ça va. Non, c'est plutôt simple. Ok. Pour l'instant, nickel. Je vais récupérer celle-là maintenant. Ouais, ça marche beaucoup mieux quand on joue avec la carte. Parce que du coup, on maîtrise mieux le temps entre les larmes. Ce qui fait qu'on optimise notre parcours. Oula, attention, j'ai failli me faire... Oula. C'était juste ce que j'ai fait. Alors, on dézoome. Le problème, c'est que j'en vois que 3. Alors qu'il m'en manque 6. Alors pourquoi il... Je comprends pas là. C'est étrange. Alors pour l'instant je m'en occupe pas, je vais... Je vais récupérer les balises. Enfin non, les larmes. Et je réfléchirai plus tard. Ok, donc en fait c'est pour ça qu'il y a l'eau. C'est pour nous faire d'autant plus chier. Oula 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 oula. En plus on a un laps de temps très court. Pour pousser le chariot, du coup on doit le faire en plusieurs fois. Donc là avec les 90 secondes c'est assez chaud à gérer. Oh putain. En plus je l'ai reculé. Oh mais non, mais là ça va pas du tout. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le tirer que le pousser. Ouais, ça me semble mieux. Hein. Comme ça du coup l'eau est de plus en plus loin. Ouais, c'est pas mal ça.
Et il me reste que très peu de temps avant avant que les monstres ne se réveillent. Nickel. Non, qu'est-ce qu'il me fait lui? Vas-y, monte! Il veut pas monter. Nickel, nickel, nickel. Alors, ok. Attendez, je vais enlever les balises. Ça se trouve, ils sont cachés derrière les balises. Non. C'est étrange, hein. Tout à l'heure, il n'y en avait que 3. Alors qu'il y avait la quatrième ici. Alors là, c'est totalement étrange. Ça veut dire qu'en fait, sur la carte ne figure que les larmes qui sont sur un support. Là, vous voyez, il y a un sol à chaque fois. Alors que là, c'est en pleine terre. Peut-être que je dis des conneries, hein, c'est possible. Je sais pas, en fait, j'essaie de comprendre, mais c'est véritablement pas compréhensible. Ok, j'en vois 2. Je crois que c'est une larme là-bas. J'en vois pas mal ici. Attendez. Vous voyez sur ma carte, là, celle qui est ici ne figure pas. Et pour moi, c'est... Je sais pas. C'est peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais bon. Un peu étrange. Donc du coup, il n'y a pas qu'avec la carte qu'il faut se repérer. Il y a aussi avec ses yeux. Là, nickel. Ensuite, je passe ici. Nickel, là j'en vois 2. Ouais. Et la dernière, ça sera en haut de la tour, ça marche. Donc, j'espère qu'on aura le temps de récupérer la dernière. Que tout se passera bien. Ah oui, putain, c'est chaud! Oh, fait chier. Vous avez vu quand il me repère, en fait, j'allais dire la petite balance. Alors, en gros, le mec, il va dire au monstre qu'on est ici. Et ben, en fait, il disparaît. Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire repérer à l'infini par ces êtres. Parce qu'il disparaît. Et c'est un peu comme dans Phantom Hourglass, c'est exactement le même système. Oula 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 oula. C'est dangerous ce que je fais là. C'est dangerous, putain. Et là ça va être une misère pour essayer de récupérer la balise à temps. Donc là c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Oh là 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 là. Et en plus la balise est en hauteur. Ah, j'ai compris, il faut faire une roulade dans l'arbre. Alors là, ça va être juste. Oh putain, c'est juste, les mecs. Oh putain, je vais me faire toucher, je vais me faire toucher. Non. Oh putain. Ah, oh, je suis dépité, là. Oh, je suis totalement dépité, là. Oh, je suis trop dégoûté. Ah, oh, ça me saoule. On y était presque, il nous en restait 2. Oh, c'est abusé là, franchement. Ça fait chier. Oh putain, je suis trop dégoûté là. Bon bah écoutez, tant pis, on va recommencer. Voilà, il n'y a pas le choix de toute façon. La boum boum, du coup je vais récupérer celle qui est en haut de la tour, comme ça je me ferai pas chier à la récupérer. Ah bah tiens, non je peux pas. Je peux pas revenir après. Donc, je vais récupérer celle en haut de la tour, qui me semble être la plus chiante. Enfin la plus longue surtout, et face aux ennemis c'est pas idéal de la mettre en dernière. Donc on va tenter de la récupérer en priorité. Là, il y a un passage pour grimper. Ok, en plus, il y a un monstre juste à côté. Ok. De toute façon, ces épreuves, elles sont faites pour être dures. Hein, donc.
C'est un peu normal qu'on n'y arrive pas du premier coup, mais bon, ça fout la haine quand même. Alors, je récupère celle-là. Du coup, on reprend celles qui sont là. En espérant attendre la plateforme à temps. Ouais, ça va. Ouais, faut monter par là. Ah, c'est vachement relou, franchement, cette épreuve. Je trouvais l'idée vraiment sympa, mais... c'est... Oh, c'est chiant. C'est pas chiant dans l'idée que c'est mal utilisé, c'est mal pensé, mais chiant dans l'idée que c'est dur quoi. Enfin, c'est dur pour moi, je pense qu'il y en a qui arrivent d'une traite, il y a pas de souci. Je pense que même moi, si je me concentre et si je me laisserais concentrer, j'aurais pu y arriver d'une traite, mais bon, c'est relou de... En fait, ce qui est relou, c'est surtout de... Quand on se fait toucher, de tout perdre. Ah, ça, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Allez, hop. Après, ensuite, je crois que là, je peux aller comme ça. On va y aller. Nickel. Et là, je crois qu'il faut revenir ici. Attendez. Non, c'est là-bas, en fait. Ok, donc là, il y a ça. J'ai même pas le souvenir de l'avoir récupéré celle-là tout à l'heure. Je vais regarder si elle est sur la carte. Du coup, je peux pas voir parce qu'il y a ma grosse tête de Link là. Alors, je regarde. Ouais, elle est sur la carte, je crois. Attendez, parce que Link est encore là. Ouais, elle est sur la carte. C'est juste moi qui m'en souviens plus. Alors, ok. Maintenant, je vais faire celle-là. Avec les deux fantômes qui nous font chier là. Mais c'est bon, oula, je crois qu'il allait venir jusqu'à là. Allez, on se cache. En plus, faut attendre, c'est ça qui est chiant. Allez, hop, hop, hop. On se dépêche, on se dépêche. Waouh, c'était Jess là. Non, faut attendre en fait. Ah, et là, faut se dépêcher par contre. Voilà, nickel. Donc ça, c'est fait. Voilà, je les ai récupérés. Il reste plus que tout ce petit tralala, là. Plus celle de la tour. Alors là, il me semble qu'il y en a une. Ok, est-ce qu'il en reste? Ouais, il en reste une. Ok, elle doit être ici, non? Elle est là. Est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais récupérer celle de l'arbre en priorité. Histoire de pas me faire fail comme tout à l'heure. Ah, j'ai peur de tomber là? Non, ça va. Sauf que celle de l'arbre, c'était où? C'était pas là. Il fallait monter sur un truc. Mais pour le moment, je le vois pas. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Vas-y, monte maintenant. Nickel. Ensuite, celle-là. Celle-là vaut mieux que je la laisse, non? Attendez. Il m'en reste 5. Donc, il y en a une ici. Et 4. Non. Ouais, voilà. Alors celle-là, je vais la laisser. Parce que les plus faciles, il vaut mieux les laisser. Je vais récupérer... je vois pas comment on peut la récupérer d'ailleurs. Attendez. Ici, est-ce qu'on peut monter? Non. Donc on va récupérer celle du chariot, là, comme tout à l'heure. Ah bah en fait, c'était par là qu'il faut récupérer. Alors hop, je vais la tirer comme d'hab. Donc là il y a l'eau qui se développe. Ouais, je vais pas faire le ouf.
Et on va attendre patiemment. Voilà, nickel. Allez, vas-y. Là, le petit bloop qu'on a entendu, je pense que ça veut dire qu'en fait, on voit plus les rayons qui vont jusqu'au ciel pour voir les larmes. Alors, vas-y, monte, s'il te plaît, là, parce que tu me fais chier. Voilà, donc c'est la fastoche. Là, il m'en reste 3. Ok, les 3, je sais où elles sont. Ok. Alors, ce que je vais faire... Comment on monte ici, déjà? Ah, c'est par là. Ok. Je vais récupérer celle-là en premier. En espérant que... Que j'ai choisi la bonne solution. Parce que je pense que la sélection de l'ordre peut avoir grandement son importance. Donc je vais plutôt aller là, comme ça après je pourrais couper par le haut. Et ça sera 10 fois plus facile. Donc là les deux dernières sont juste ici. Et comme je pourrais directement sauter par le haut. Nickel. Franchement c'est parfait là. Ouais, il reste la dernière. Oh putain! Ah, il m'a fait peur lui! Ah putain, mais elle est là. Ah bah c'est bon. Aucun souci. On y est arrivé, nickel les mecs. Ok, nickel. Alors on a rassemblé toutes les larmes de Nairu, votre âme a gagné en maturité. L'épreuve ne se terminera que lorsque vous aurez rejoint votre monde. Retournez à l'entrée pour recevoir la preuve de votre maturité. Ok, donc là on aura enfin notre réponse. Quelle est la deuxième relique? Sacré. Parce que moi... Ah, on doit retourner! Ah mais on peut encore se faire toucher. J'avais oublié, putain. Oh, j'ai fait une connerie les mecs. Oh, j'ai mal joué mon coup. Oh putain les mecs, j'ai mal joué là. Ah non, c'est pas top ce que j'ai fait là. Ah mais moi qui pensais qu'on aurait pu souffler une bonne fois pour toutes. Non, en fait pas du tout. Donc, je vais plutôt passer par là. Là je vais essayer de jouer, je vais faire mon PGM les mecs là. Ça va chier. On va pas se faire toucher, ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Il n'y a aucun souci. Je peux même récupérer une pierre d'ombre. Au passage. Ah nickel. Il n'y a aucun souci, aucun souci. Ah j'avais tellement la niaque d'y arriver que... Que je voulais pas me faire toucher. C'était pas possible. Alors nickel, ça va se transformer en quoi? Oh non! Eh mais ma théorie se vérifie alors, se vérifie véritablement. Oh, c'est incroyable, j'aurais jamais cru que ce serait le grappin. Mais ça veut dire qu'en fait le grappin ne sera pas un objet qu'on doit utiliser dans la sacoche. Non pas dans la sacoche, dans le... Dans l'inventaire d'objets. C'est incroyable. Et ça veut dire... Je me demande comment on peut l'utiliser. Du coup, j'ai pas lu. Viser les cibles ou le lierre, puis tirer pour traquer à l'endroit où sa griffe s'est accrochée. Si lors de la visée, votre grappin devient difficile à contrôler, recentrez le curseur en appuyant sur barre. Et en plus, on a les deux grappins. C'est ça qui est excellent. Directement. Ah bah si. Ah bah voilà. C'est un objet... En fait, moi, je pensais que les reliques, c'était forcément dans l'inventaire. Et du coup, non. Du coup, non, ils font ce qu'ils veulent. Ils en mettent un coup dans l'inventaire, un coup dans les objets d'aventure. Ok. Ah, je suis vraiment content, là. Qu'on ait récupéré le grappin. Parce que je voyais pas d'autres façons de continuer l'aventure. Félicitations, Maître Link. Maître, par cette épreuve, vous avez obtenu la force d'âme. Et l'artefact qui vous permettra d'aller recueillir la flamme sacrée dans votre épée. Alors ce grappin est l'une des reliques laissées par la déesse. En déployant ses chaînes, munies de griffes, vous pouvez vous tracter vers des cibles ou des lières. La flamme se trouve quelque part dans ce désert, elle devrait se trouver dans un endroit que vous n'avez pas encore exploré, maître. T'inquiète, je sais où c'est. Je sais totalement où c'est. Alors on va juste, avant d'arrêter cette vidéo,
visiter un peu les endroits qui m'étaient inaccessibles auparavant. Ah ouais, mais non. Ah si, c'est là. C'est ce fameux trésor qui me tentait depuis pas mal de temps. Ouais, c'est vachement bien fait là, le grappin. Je trouve que la sensation de grappin, d'utiliser un vrai grappin est... est d'autant plus agréable dans cet épisode. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. Avec la Wiimote qui vibre et tout. Ah, écoutez, je vais essayer de récupérer ce truc. Avant qu'il tombe dans le sable. Nickel. Là, il y a une cible de grappin encore. Alors, je regarde un peu. Ah, il y a une cible de grappin avec des papillons. Donc, on va y aller. Mais pour cela, il faut faire tac-tac. Il faut faire tac-tac-boum-boum, les mecs, vous m'aurez compris. Ah, et du coup, je peux avoir la pierre qui est là-bas. Ça marche. Donc, je vais récupérer cette pierre grâce au grappin. Ok, là, on va faire attention. Je m'en fous de lui. Attendez, je vais quand même le tuer parce que sinon, je peux pas reculer. Putain, il y a de l'autre qui me fait chier en plus là. Alors ce grappin, il peut pas? Ah zut, attendez. En fait, ce grappin, on peut pas. En fait, faut qu'on arrive ici. D'accord. Et pour arriver ici, c'est de l'autre côté quoi. Alors ok. Alors moi je parlais des papillons tout à l'heure. Ils étaient où mes petits papillons? Alors mes petits papillons... ils étaient ici. Alors est-ce qu'il y a un endroit où je peux marcher? Ok, je peux marcher ici. Attendez. Alors... allez, ici ça devrait être bon. Ah nickel. Le grappin atteint la cible. Et on va jouer un peu de lire. Mais pourtant il y avait des papillons. Ah ça c'est un peu con par contre. Ils aiment bien se foutre de notre gueule et mettre des papillons un peu partout et nous faire croire que faut jouer de la lire. Bon bah écoutez les mecs. On va s'arrêter là pour cette vidéo et on continuera l'aventure dans un prochain épisode. Donc en fait on se rapproche du prochain temple. Je pense, à moins qu'ils vont nous demander de retourner dans le temple... dans le temple ici présent. Non, je pense pas, non, non. Parce que vous vous rappelez, pour après la deuxième épreuve, ils nous avaient demandé de retourner dans le temple de la contemplation. Mais ici je ne pense pas que ce sera le cas. Et je pense qu'on aura accès au cinquième temple directement. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la suite de ce Zelda Skyward Sword. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!